Il faut désormais dire que l'économie domine le monde, alors que hier s'est achevé à Buenos Aires, en Argentine, le sommet du G20 Finance. Le Cameroun continue ses atermoiements sur le plan économique avec l'annulation, comme vous le savez, du forum économique Cameroun-Chine en marge de la visite d'État du président Paul Biya à Beijing qui démarre donc demain. Il faut dire que le Cameroun doit désormais s'interroger sur les options économiques. Le Cameroun a-t-il uniquement les matières premières à vendre à la Chine? Faudrait-il diversifier nos pans de coopération avec l'étranger? Mais comme vous le savez, et Charles de Gaulle l'a dit, entre États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Est-ce que le Cameroun a conscience des intérêts qui doivent gouverner sa politique économique? Ceci dit, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Kinos Télévision pour ce nouveau numéro de votre émission 10-12, Le Zénith. Émission reconnue d'utilité publique en ce mercredi 21 mars 2018. Le plateau, il est complet comme à l'accoutumée. D'abord vous, cher Lamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Faupoussi-Négou. Et bonjour à tous les téléspectateurs. Je salue ce matin madame Nalova Lyonga, Minesec. 64 enseignants du primaire manquent à l'appel. Dans le Mayo-Tanaga, dit-il le préfet aux abois. Où sont-ils? Pourquoi ne travaillent-ils pas depuis bientôt 8 ans? À vous les stylos. Et donc, on va dire que Madame Nalova Lyonga devait effectivement relever ce gros défi du déficit d'enseignants dans nos établissements scolaires, du secondaire et précisément dans ces parties du pays qui sont reculées et qui ont fort besoin d'un contingent assez important d'enseignants qui viennent donc tenir la main de nos enfants qui ont besoin d'une éducation de qualité. Également sur ce plateau ce matin, Florazé, bonjour, bienvenue. Bonjour Eric Faupoussi, bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Moi, je pense ce matin à la petite Gangua Wokam, Ange Merveille, 11 ans, en classe de 6e dans un établissement de la place. Vous savez, plus un jour, plus une semaine ne passe sans qu'on entend la disparition d'un petit garçon, une petite fille et autres. Voilà que depuis vendredi dernier, on est donc à la recherche de cette petite fille. Donc moi, j'appelle à plus de responsabilité aux parents parce que les sectes pernicieuses, autres clans et autres se développent de plus en plus dans notre société. Surtout que hier, on apprenait que le CIPCRE annonçait qu'en 2017, 475 000 cas de viol sur mineurs enregistrés au Cameroun. C'est extrêmement grave quand même pour nos enfants, je tiens à le rappeler. Et puis Florence, on vous retrouve à 11h05 Tout à pour fait. La revue des réseaux sociaux. On parlera des sujets très importants ce matin. En tout Ouais. cas, on vous demande, on vous invite, on vous convie, madame, monsieur, à rester tout à fait présent devant votre poste téléviseur pour ne pas rater, pour ne rater aucune miette de ce rendez-vous-là. Également sur le plateau ce matin, Boro Bengane, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Faupoussi-Négou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je salue le délégué de gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Il a demandé aux populations d'un Colbon de déguerpir sous 3 jours seulement. Il leur reste 2 jours, 48 heures, parce qu'on va faire une route en Colbon qui va rallier le stade de Japuma. Tout à fait. Dans seulement 48 heures, y compris l'école publique d'un Colbon qui se trouve Tout à fait. devant l'indécision. Donc, merci, monsieur le délégué. 3 jours, il reste seulement 48 heures à cette population. C'est comme ça la démocratie avancée et apaisée. Merci, monsieur. Vraiment, vous allez tout nous dire ici à Douala, monsieur le délégué. C'est extrêmement grave puisque même à PK 14 et PK 17, hein, lors du déguerpissement fait par l'université de Douala, on a eu près de 10 000 personnes comme ça sinistrées. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait pour le recasement ni l'indemnisation. Donc, on comprend que le Cameroun, on fait tout ce qu'on veut. Personne ne veut s'émouvoir du peuple qui crie et qui souffre. Madame, Monsieur, ceci dit, on va lancer la première articulation de ce programme, de cette édition de ce mercredi avec Tendance la Voyageuse. C'est l'histoire du jour. Bonjour. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent du côté du Cameroun ou encore à Melong en Kansou. J'ai fait un aller-retour en Kansou. Quand vous me voyez là, je dors un peu, mais en Kansou, c'est à Melong. Il y a eu un scandale de ce côté, un monsieur qui est devenu fou. Quand je parle qu'il est devenu fou, ça ne veut pas dire que il marche dans la rue, il parle comme si il était vraiment fou.
C'est un monsieur que sa tête tient bien, mais son épouse le rend fou. Il m'a dit que sa femme, c'est une ivrogne. Ah, ivrogne veut dire quoi, Momo? Elle boit beaucoup. Un peu voilà. Tôt, elle saoule. Quelqu'un me l'a même pas, quelqu'un boit. Voilà. Quand on lui donne la bière à la maison, elle dit que la bière de la maison n'est pas sucrée. Sucrée comme la bière, au bas, la bière du bar. Donc, madame, point, du côté de Melon. Ton mariage va se gâter. Quand tu arrives, j'étais même chez elle. Quand tu arrives à Melon, chez Yomate, tu vas chez Yomate à Melon, maman. J'entends. Quand tu arrives en Konsu, demain, c'est même chez Yomate. On va te montrer. Dès que tu es chez Yomate, tu piques un peu derrière. Tu reviens encore un peu. Après, tu longes au carrefour où les routiers restent là. C'est quelque part là-bas. Monsieur dit qu'il est fatigué du comportement de sa femme. Ce qui a encore rendu son mari rebelle. Donc, ce qui a fait en sorte qu'il m'a appelé, que viens vite me voir. Sinon, tu vas entendre qu'il y a mort d'homme. Son épouse fait une réunion, une fois par mois. Et la réunion, c'est la réunion des jeunes ressortissants d'un Konsu. Avant-hier, c'était le jour de la réunion là. Elle est partie à la réunion. Au lieu de rentrer, elle est rentrée plutôt à minuit. Minuit passé. Le mois passé, elle est rentrée à 1h du matin. Donc chaque fois qu'elle part à la réunion, au lieu de rentrer, comme quand la réunion finit, comme elle fait la réunion seulement une fois par mois, quand la réunion finit, au lieu qu'elle rentre, elle boit d'abord bien. Donc elle rentre à la maison étant bonne, qu'elle a bien peinté, donc elle a bien soulevé le coude. Quand avant qu'elle part à la réunion, que monsieur avait dit que si tu t'entends la réunion, là tu ne dois plus partir. Parce qu'il me rend compte que quand tu pars à la réunion, tu rebois encore trop. Je ne suis pas d'accord. C'est moi que tu souilles. C'est même nos enfants que tu souilles. Je suis un homme et un vrai. Il a pris la vie de la réunion, mettre le feu sur ça. Donc elle est rentrée de la réunion en souffletant. En chantant, comme on chante souvent. Son mari a dit que retourne vite, ne fais pas qu'on réveille le quartier. Retourne seulement. Ne fais même pas qu'on réveille le chef du quartier. Comme nous, quand on parle au lieu que la femme ferme sa bouche, la bouche sort. Elle a commencé à dire à son mari que la réunion a fait quoi? Si je pars à la réunion en mars, c'est pour repartir encore en avril. Le mois prochain, c'est avril, non, Florent. Oui, c'est avril. Elle dit que partir à une réunion une fois par mois, le problème est où? Si je faisais 5 réunions, tu as dit que j'ai fait 5 réunions. Quand je bois, tu dis que j'ai bu. Je veux faire quoi? L'homme a dit que, ok, comme la boue sort, même l'habit de la réunion, là, tu ne portes plus. Mais si il a pris le pain de la réunion, brûlé, bon. Ça fait le scandale. Et donc, il a tapé sa femme, le quartier est sorti. Les Benskinens sont arrivés, les voisins sont arrivés. Et quand il m'appelait, c'était pour que je vienne dire à toutes les femmes qui me regardent, ou encore à tous ceux qui regardent cette émission, en temps normal, une femme qui se respecte, une femme mariée qui se respecte, quand elle part à la réunion, elle doit rentrer chez elle à quelle heure? À 20h, 18h, 22h ou minuit. Parce qu'elle part à la réunion à 15h, s'il n'est pas 23h passé, elle ne rentre pas elle. Et elle rentre toujours quand elle a coupé un peu, ça c'est beau au Cameroun. Vous avez la parole, aidez ces messieurs pour que son foyer soit bien. Parce qu'il a coulé ses larmes. On dit qu'un homme ne pleure pas, mais il a pleuré parce qu'il faisait... Je voyais. Voilà. J'ai passé toute la soirée à nettoyer ses larmes. Très bien. Il restait un peu comme si elle ne venait pas ici. Oui, mais tu es partais sauver une vie. Oui. Tendance, tu es là, c'est essentiel. Nous sommes comment? Très heureux de t'avoir ce matin. Toujours elle au bas, toujours pas la réunion, mais elle rentre, pardon. J'en ai terminé, Eric. Très bien. On va disséquer, on va commenter, on va analyser, on va décrypter cette histoire à l'aune d'une société qui a besoin de repères, on va le dire. Et tout à l'heure, je lance une pique à Florazé. Lorsque Tendance a prononcé l'expression, et je cite, son mari l'a bien tapé, je l'ai vu balancer la tête en signe de protestation. Je reviendrai dessus, rassurez-vous. Mais toujours est-il que la question se pose ce matin avec acuité. Le plus souvent, lorsqu'on parle des femmes, lorsqu'on parle des sujets qui sont liés aux femmes, ça me rappelle cette révolution en France de mai 68, où la femme a véritablement pris son envol en termes de droits sociaux et en termes de liberté, puisqu'on parle de la libération de la parole, on parle également de la libération des mœurs. Bobo Bengan dira du sexe, je préfère dire des mœurs. Alors, mais une fois qu'on a dit ça quand même, est-ce que, Florazé, vous n'expliquez pas ce comportement de cette femme alcoolique par le fait qu'elle se sente baïonnée dans son couple et qu'elle n'ait pas d'autres occasions à elle de se mouvoir, de se faire plaisir au final? Est-ce que ce n'est pas ce problème des hommes qui ont tendance à embrigader leurs femmes et à leur opposer un régime militaire? Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Je crois que
Moi, je vais m'aventurer sur cette lancée parce que tendance a dit quelque chose de très fondamental dans l'histoire qui me touche un peu. Parce que quand elle est en confrontation avec son mari, elle lui dit « J'attends encore, je n'aurai que le mois prochain pour Marion et tout. » Donc, vous comprenez que c'est une femme frustrée. Mmh. C'est une femme qui n'attend que son association, sa réunion pour se mouvoir. Mmh. Donc, maintenant, je ne viens pas ici parce qu'il y aura qui vont penser que je cautionne encore les moments. Je ne viens pas dire qu'être une femme soulade, c'est bien, c'est autre. Non. Alors, encore non, que... Question. Vous pensez qu'on est plus dur avec une femme qui va au-delà d'une consommation qu'on pourrait appeler de modérée qu'un homme? Vous pensez qu'il y a un poids de mesure? Oui, parce que vous savez, c'est ça en fait, c'est très lourd. La femme justement a tellement de responsabilités au quotidien que même quand on voit une femme dans un bistrot toute seule, c'est-à-dire en train de prendre un verre toute seule, tout de suite elle est cataloguée, vraiment non, c'est une prostituée, non, qu'est-ce qu'elle fait là et tout, non. Pourtant, c'est un être humain. C'est-à-dire que je peux, moi, au sortir de boulot, être peut-être stressée, envie de prendre peut-être un verre un cocktail, un verre de jus et tout, mais dans un bistrot, toute seule et tout. Alors que mais la société n'accepte pas ça. Je vous comprenez jusqu'où la femme est tellement bâillonnée. Et puis, dans cette histoire, voilà une femme assez frustrée. Parce qu'elle ne sort pas. Moi, j'ai toujours dit qu'on n'apprend pas ça ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une école aussi où justement on apprend à rire ou à faire non. Et dans le couple, il y a des choses. Je veux dire, il y a une certaine éducation qu'on se fait, je veux dire, l'un vers l'autre. Ça veut dire que si l'homme avait amené la femme à comprendre que de temps en temps, on peut sortir, de temps en temps, on peut faire ci, on peut faire ça, on peut faire ça, je crois que cette femme ne serait pas, aurait compris qu'après sa réunion, à partir de 20h, 20h30, je dois être chez moi et tout. Non, mais c'est que c'est à travers cette réunion qu'elle peut voir ses copines, elle peut voir ses amis, la famille et tout, causer, etc. et autres. Et non seulement c'est tellement violent, parce que voilà que sa femme rentre et tout, il n'hésite pas à battre sur elle. Non, je suis sûre que ça, c'est une femme frustrée, battue et autre. Donc, du moment où elle réussit même encore à aller dans ces associations, parce qu'il y a même d'autres où le monsieur interdit. Il a interdit toute forme de complètement sortie. Complètement, les sorties. Alors, cette femme, maintenant, réussit, oui, elle réussit au moins encore à faire des associations, à avoir une vie active à l'extérieur. Mais vous voyez comment elle est récompensée par son mari. Non, je crois que cet homme a raté, peut-être Bombok sera d'accord avec moi, a raté son initiation. N'appelez parce pas qu'en tant que chef de famille, parce qu'il est oui, pas non, mais en tant que chef de famille, oui. En tant que chef de famille, si sa femme se comporte ainsi, c'est que c'est lui qui a raté à un moment donné. C'est lui qui n'a pas été l'homme qu'il fallait pour cette femme. Donc, c'est un homme irresponsable. Tout à fait. C'est votre terme. Hein, c'est pas moi qui le dis. Je dis oui. Cher Lamel, un homme irresponsable, un homme qui souhaite avoir sa femme lucide, on le traite sur ce plateau ce matin d'irresponsable. J'ai bien peur que ce soit ceux qui étaient irresponsables qui ne voient pas l'irresponsabilité en eux. Voilà un homme qui a causé à sa femme, qui cause, qui discute avec sa femme. En aucun moment, ça c'est la goutte d'eau qui déborde le vase, là où l'homme a posé main sur sa femme. Thomas vous a bien dit qu'il a averti, qu'il s'est plaint. Mais c'est quelle cette histoire? La femme est le porte-étendard de la famille. Puisqu'elle est le berceau de l'humanité. Tout ce qui fonctionne et ne fonctionne pas dans une famille, posez-vous la question et posez-la à la femme. Parce que la femme est garante de tout. La femme porte tout. Il y a des activités qui sont recommandées aux femmes. Une jeune mariée vient à peine de se marier, ne lui demandez pas de rentrer à 23h. C'est intolérable. Il y a des activités que la femme peut faire lorsque les enfants sont tout petits, c'est-à-dire tout faire et être à la maison plus tard à 14h, 15h. Raison pour laquelle vous allez voir des hommes qui ne sont pas très d'accord avec les histoires de nounous, ça cause des problèmes. Et il y a des activités que la femme peut faire lorsque la femme s'assume, lorsque les enfants peuvent bien s'assumer. Lorsque vous avez des grands enfants qui peuvent rentrer ouvrir la porte, vous avez des femmes qui trouvent des activités où elles peuvent rentrer tard, sachant que les enfants ont la possibilité de s'assumer, bien évidemment en discutant avec son mari. Mais dans le cas présent, c'est une femme qui a choisi volontairement de se jeter dans le culte de l'ivrognerie. Une disciple de Bacchus. Elle est plus que disciple, c'est une associée désormais de Bacchus. Parce qu'elle consomme à outrance. Oui. L'homme n'a pas dit ne bois pas. Mais l'homme se refuse à ce que sa femme se retrouve atteindre des états éthyliques vraiment incompréhensibles et rentrer à des heures tardives. Une femme sous est une personne vulnérable. Tout peut arriver à une femme sous.
Vous ne savez pas, tout peut arriver à une femme. Ça peut être un viol, ça peut être une agression, ça peut être. Alors, il faut véritablement. Ok. Et je pense que cet homme n'a rien fait. D'accord. Une femme saoule peut être frivole. Ça dépend aussi de chaque organisme. Peut-être après deux verres, elle se contrôle, puis autre. Non. Sauf que si l'homme avait canalisé ça au départ, on serait pas là. Rassurez-vous, je peux vous donner des exemples et ça avec des références claires et nettes aujourd'hui. Vous invitez une femme à boire un verre, écoutez, elle vous sort tout un casier de boissons sans aucun problème. Sauf que ce n'est pas le cas ici. L'époque est passée où les femmes étaient beaucoup plus bien séance que ça. Où elles prenaient un petit verre de jus, c'est fini ça. Désormais, elles sont toutes accros à la bière et elles boivent encore plus que nous autres qui étions censés être les disciples de Bacchus. Bon, Bengan, le problème de ce matin, l'histoire de ce matin pose quel problème pour notre société au final? D'abord, si je ne vous connaissais pas bien, j'allais vous accuser de vouloir d'être parmi ces intellectuels africains qui veulent pervertir le continent. Vous aimez toujours parler de mai 68. Oui. Maintenant, d'accord. Oui. Mais vous savez là où mai 68 nous amène? Mai 68 nous amène à ceci que l'actuel président français, Emmanuel Macron, envoie un projet de loi qui dit que la jeune fille peut, de manière consentante, entretenir des relations sexuelles à 15 ans. Je pense que c'est voté, adopté déjà, je pense. Voilà. Oui. C'est donc ça, l'évolution. Nous, la fille à 15 ans, elle est encore bébé. Et vous lui dites, mai 68 a dit que c'est ça le, vos droits. Ce sont vos droits. Bon, peut-être que Flora va porter plainte contre le gouvernement français pour cela, pour atteinte aux droits de la femme. Pour l'histoire, un jour ici, j'ai dit, cette femme, pour aider cette femme à s'épanouir, à bien être encadrée, il faudrait, l'homme a deux possibilités. Soit il la répudie, ou alors il prend une deuxième épouse. Donc, voilà les deux options qui s'offrent à cet homme. Voilà, parce qu'elle est allergique à la polygamie florasée. Oui, oui. Il cause avec sa femme, elle ne comprend pas. Et elle dit même à son mari, de toutes les manières, je le ferai tous les mois, puisque je sors seulement une fois par mois. Je le ferai. Fais quoi, je vais le faire. Donc, à ce moment, vous faites quoi? Voilà, vous cherchez une deuxième épouse et vous laissez l'autre. Vous appelez les enfants en leur disant non. Laissez, vous les trompez en disant non, maman est souvent malade, il faut laisser. C'est comme ça que polygamie ou répudiation. S'ils sont dans un régime monogamique, ils divorcent. S'ils sont dans un régime polygamique. Qu'est-ce qu'on fait ces femmes qui sont au quotidien 20 ans, 15 ans avec des hommes soulards, des hommes alcooliques? Je crois que vous êtes un peu trop dur. Je crois que c'est à l'homme. Mais oui, puisque l'homme accompagne ça quand il dit que soit on répudie la femme ou on prend une seconde épouse. Moi, je ne vois pas où. On consolide alors le couple où? À quel niveau? Non. Je crois que ça, c'est une femme qui a un véritable problème, je l'avoue. Mais l'homme ne l'aide pas beaucoup. D'accord, Florazé. Si on m'avait dit que la femme sortait en cachette, vous l'avez dit, on a compris, on va avancer sur ce débat avec Tendance, qui va également dire un mot. Je rappelle que sur ce plateau, quand même, on a deux sensibilités féminines. On a fait tout pour qu'il y ait quand même une forme de parité. Vous voyez, on est nous aussi dans cet exemple-là. Oui, Tendance. Est-ce que quand elle boit tout le bar, elle ne boit pas tout un casier? L'organisme a parfois besoin un peu d'alcool. Que nos hommes arrêtent ça. Elle ne prend pas un peu. Ma fille, elle prend beaucoup. Elle ne prend pas un peu. Moi, c'est que les hommes et les femmes doivent... Parole de Tendance, que ne tendez bien vos tympans. Parce que quand je parle, là, ce n'est plus pour revenir. Quand un homme prend sur lui d'allaiter tout le quartier, que sa femme est rentrée tard, c'est pousser les gens du quartier à détester son épouse. Tu peux faire quelque chose, ça reste entre vous. Je peux me rentrer, tu te tais, tu me laisses dormir. Et c'est quand la réunion finit même que, quand on fait les petits troupes, on fait un peu le congo, ça, on boit un peu, ça descend. Oui, quand la réunion finit, on fait un peu les petits troupes, on parle un peu. Tu fais peut-être un mois sans boire ta copine. C'est l'occasion où tu es. Je n'ai pas demandé l'âge des enfants.
C'est où tu commences à dire. Ils ne sont pas si petits que ça. Ça n'a rien à voir. Oui, oui, ça n'a rien à voir. Non, je crois que non, Chalamel, on ne fera pas toutes les hypothèses des enfants ici. Il y a une question qui est précise. Non, je ne la sauve pas. J'explique juste qu'on ne fera pas toutes les hypothèses ici. Oui, tendance. Souvent, quand tu fais les réunions, quand tu fais un mois sans voir ta copine, le jour que tu la vois encore, c'est l'occasion que vous parlez même de vos maris. Pourquoi pas? Des frustrations qu'on a. Oui, tu dis, ouais, mon mari m'a tapé l'autre jour. Je me comporte comment? Elle te donne les conseils. Maman, comme tu vois, il rentre de Atta. Je fais comment? Et maman, comme tu vois là, depuis que j'ai accouché le garçon, il arrive à m'amener en France. Donc, quand on fait le commentaire ambivalent, ça passe. Ça descend. Vous savez, mais tendance. Et encore que Chalamel oublie, c'est toujours sur ses antennes qu'il nous a dit vraiment quand un vrai homme ne reste jamais à la maison, la femme stresse, il faut aller prendre 2 verres, 3 verres et tout. Quand l'homme dit ça, non, il faut comprendre, hein, il faut applaudir. Mais justement, on ne voit pas qu'une femme justement qui se comporte ainsi. Et justement, avec des sorties bien réglementées. Parce que le mari sait qu'elle est dans une association ou une réunion. Voilà. Chalamel avait dit clairement que quand un homme rentre tôt et que son épouse lui dit, mais tu es rentré tôt aujourd'hui. On t'a chassé. C'est à ce moment, il s'est dit, peut-être que je gêne à la maison. Pourquoi Chalamel, on ne voulait pas te laisser. On ne voulait pas te laisser. Elle ne voulait plus que tu rentres. Oui. Tu rentres tôt. Elle t'a seulement chassé. Vous vous êtes gâté. Oui. Pardon, ne viens pas, je te traîne sur moi. Bon, moi, j'aimerais quand même faire une précision très importante quand même. Je vous assure. Tendance est très gentille. Je la connais très gentille. Mais vraiment, quand elle parle aussi, les sons qu'elle parle. Quand même. Jusqu'à la fin. Parce qu'on lui arrache la parole. On lui arrache la parole à tout. Vous me frustrez. Vous frustrez. Quand vous m'arrachez la parole, vous me frustrez. Ta copine ne peut pas avoir le talent. Je me sens frustrée. Et vous, tu es seulement. Et moi, seulement, vous parlez. Voilà. Mon génie. Comme je disais tantôt, Bombok, la réunion que tu vois là, chaque femme doit aller au milieu des gens. Parce que le jour de ta mort, tu as brûlé le pain de la réunion. C'est le pain qui avait un problème avec toi. Le pain, il y avait quoi? Il voit dedans. Mais il n'a pas le droit de taper sur elle. Le pain, quand tu prends sur toi de brûler le pain d'une réunion, tu sais comment va la mandat à la réunion? Mais justement, il ne veut plus qu'elle y aille. Non, ce n'est pas la réunion qui boit, c'est madame qui boit. Donc, c'est à lui de donner les conseils. Et en plus, qu'on est entre copines, on se dit tout. C'est quand même la réunion des jeunes ressortissants d'un village. Mais là-bas, dans cette réunion, on ne peut pas dire on va marier. Non, il se fait tard, rentrons vite. Non, et en plus, elle n'est pas le bébé. Est-ce que quand elle boit, elle ne rentre pas? Elle a confondu. Après minuit. Est-ce que tu l'as vu rentrer chez le voisin? Mais elle est rentrée. Après minuit. Ça, on appelle ça atteinte à sa personnalité. Voilà. Alors, tu es frustrée. Et la vérité, c'est qu'en dehors de la réunion, elle ne sort pas tendance. Oui. Elle veut boire une. Voilà. Elle boit elle. Celle qui t'amène, elle ne pas boire une. On a bien compris. Tendance, on a bien compris. On va aller prendre les messages pour les réactions à cette histoire du jour. Mais je rappelle quand même au pied de nos discussions ce matin que cet homme aurait pu attendre le matin quand elle a dessoulé avant de lui faire des reproches. Parce que, qu'on la déteste. Parce que je peux comprendre que la femme ait réagi sous l'effet de l'alcool à ça. Vous savez, quand vous buvez, vous êtes dans un état second. Mais c'est tous les mois, monsieur, vous ne ressentez que l'ensemble des frustrations que vous avez longtemps gardées. Donc c'est normal donc, que la pénis. Non, il peut attendre. Un proverbe arabe dit tapez vos femmes. Si vous ne savez pas pourquoi, elle sait pourquoi. D'accord. Et qu'il va dire soulade. Il sait seulement les femmes vont me regarder au quartier, Flora. Il dit même chaque fois que vous rentrez, il faut taper sa femme. Voilà. Si tu ne sais pas pourquoi, elle sait pourquoi. D'accord, très bien. Quand lui-même il boit les femmes. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu as dit quoi? Un proverbe arabe. Excusez-moi, mais est-ce que tu ne parles pas de boire? Tu veux tu rentres à 1h du matin? Le problème est où? Alors, Flora, c'est quelques messages reçus dans l'escarcelle des numéros qui s'affichent au bas de la page. Oui. La toute première réaction est de Gérard à quoi? Il dit une femme saoule est à la merci du premier venu. Voilà. Mais c'est pas forcément. Ah oui. C'est rien dit. Ah oui. Les buissons sont vite passés. Et les maisons en chantier. Alors, le monsieur, par rapport à l'histoire, permet à sa femme de sortir parfois pour se divertir. Parfois se divertir puisqu'elle trouve l'occasion une fois par mois. Donc là, c'est Brice qui estime qu'il faudrait multiplier les sorties pour divertir madame. Multiplier comment? Elle va à la messe souvent. Est-ce que ce n'est pas les sorties, ça? Voilà.
Bon, voilà, là, c'est un sujet tout autre. Voilà. Vraiment. Voilà, bon, on va ouvrir ce chapitre-là ce matin. Je pense que cette femme a tort. Oui, Le mari aussi a tort d'avoir battu sur sa femme. Ça dépend, voilà, tout. Ça, c'est la faute de ne pas avoir, de pas bien avoir apprivoisé sa femme au départ. C'est Vicky de Consamba qui réagit. La violence est une initiation. Mmh. C'est Vicky, apprivoisé. Là, vous êtes d'accord qu'on apprivoise les femmes alors. Si on met ta part, je meurs. La femme comment? Par exemple. Mais je vais laisser mes enfants à qui? Alors, M. Kamga réagit. Il dit qu'il faut choisir les responsables. Voilà. Et puis... vraiment, c'est pas possible. C'est pas vrai, mon Dieu. Oui. C'est un problème. Elle ne peut. Voilà, la femme qui rentre tard, voilà, est un véritable problème pour son foyer. Voilà. J'aimerais juste soutenir l'opinion qui dit que cet homme est un. C'est très mal comporté en battant sur sa femme. Elle n'est pas la seule en cause, car cet état est le plus souvent causé par l'irresponsabilité de l'homme. Car s'il était un homme, il résoudrait ce problème-là. Comment, justement, comment résoudre Un dernier message dans cette partie consacrée au message Florazé. Voilà, c'est à travers les réunions de dimanche que je peux aller au bal de vétérans. Jamais mon mari ne va me dire allons en balade, allons faire des petites sorties. La faute à qui alors? C'est Florence de Yaoundé qui parle d'elle à travers cette histoire. Mais quand même que les femmes. Florence, allez auprès de votre belle famille, de votre famille. Vous avez des sorties à n'en plus douter. Voilà. Vous n'en plus parler. Pourquoi vous dites des balades, 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 ça ne veut rien dire. Merci pour cette dame de préciser que, voilà, je te dis que elle, quand elle sort le dimanche, elle dit à son mari bon, je vais à la réunion, après la réunion, je vais à l'église. L'église, là, c'est les boîtes des vétérans. Le bal des vétérans. Merci beaucoup à vous sur le plateau. Merci infiniment. Merci à Tendance pour cette histoire qui nous a permis de mettre sur la table des sujets qui nous concernent tous en couple ou hors couple, mais également à tous ceux qui ont réagi à cette histoire ce matin. L'émission se poursuit, le voyage également, avec tout de suite et maintenant une colère. Il change d'humeur. Lui, c'est Cher Lamel dans sa colère. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question des multiples dysfonctionnements de la justice camerounaise. Je m'interroge sur les constantes lenteurs constatées au sein de la machine judiciaire au Cameroun. Quelle est l'identité de l'homme qui apportera la célérité dans la gestion des affaires de la justice camerounaise? Parce que tous les ministres d'Aïd Diouha aujourd'hui se plaignent d'une seule et même chose. Les lenteurs de la justice au Cameroun. Savez-vous qu'assister à une audience dans nos tribunaux demande un trésor de patience et de tolérance pour des raisons souvent peu connues du public? Savez-vous que le Cameroun compte environ 1500 magistrats pour 23 millions de Camerounais? Savez-vous que les audiences dans les tribunaux du Cameroun ne sont pas faites pour les adeptes de la ponctualité? Quel est l'intérêt qu'ont les dirigeants de ce pays à ne cesser de dire dans leurs différents discours que la justice camerounaise est lente? Les chefs de l'État, la justice camerounaise est lente. Premier ministre, justice camerounaise est lente. Ministre de la Justice, garde des Sceaux, lui-même dit la justice est lente, accélérée. Qui va donc accélérer? Comment comprendre le fait que certaines audiences ont une durée ne dépassant pas 5 minutes et se succédant parfois à un rythme déconcertant, violant conséquemment plusieurs dispositions pertinentes du code de procédure pénale et mettant en mal les droits de la défense et les principes du départ contradictoire ainsi que de la présomption d'innocence? Comment comprendre l'absence d'informations à donner aux prévenus sur leur droit de se faire assister par un avocat ou de garder silence lors des auditions, lorsqu'elles auront lieu? Comportement qui va à l'encontre des dispositions de l'article 116, alinéa 3 du Code de procédure pénale. Comment comprendre la plus que trop absence devant le tribunal des plaignants et témoins à charge?
Comment comprendre la non-fiabilité de l'identification des accusés? Âge, nom, du fait de l'absence chez de nombreux prévenus des papiers d'identité et de la non-possibilité de présenter des actes de naissance du fait de la rapidité des procédures. Comment comprendre le fait que la justice camerounaise se trouve constamment obligée de se contenter d'informations orales des prévenus? Comment comprendre la non-consultation du casier judiciaire des suspects avant la condamnation à des peines de prison et l'impossibilité de connaître le passé pénal des prévenus du fait de la rapidité des procédures? Oui, rapidité des procédures, entrez, qu'avez-vous fait? Il a volé, volé quoi? Un téléphone, de quelle marque? Samsung, pas condamné à mort. Et tout a été dit. Comment comprendre le fait que les prévenus accusés des manifestations sur la voie publique, attroupement, pillage et vol, destruction et incendie, port d'armes, rébellion en groupe ou violence à fonctionnaires ont été jugés de manière expéditive, bien qu'ils aient pour la plupart plaidé non coupables? Cas des émeutes 2008. Comment comprendre la non-signature des procès-verbaux d'enquête par les accusés? Le non-respect ou le non-établissement des procès-verbaux par les procureurs, le non-respect du droit des prévenus de préparer leur dossier judiciaire, le fait pour les prévenus de n'avoir généralement pas le temps de préparer leur défense, comme le stipule l'article 300 du Code de procédure pénale. Dans tous les tribunaux, lorsque vous êtes passé par la case Nebel, lorsque vous êtes passé par la case Konengi, lorsque vous entrez au tribunal, la première chose que le magistrat vous dit, on t'a déjà appris là-bas ce que tu devais venir dire ici. Par conséquent, nous on connaît. Quand a-t-il eu le temps de préparer sa défense? Point d'interrogation. Comment comprendre le non-respect des procédures dans la rédaction des procès-verbaux? Comment comprendre le fait qu'on attribue des dizaines et des dizaines de rôles à un seul magistrat, sachant que chaque rôle implique 4 à 5 personnes qu'il faut rencontrer? Savez-vous qu'au tribunal de grande instance de Yaoundé, par exemple, il y a moins de 24 magistrats dans une ville qui compte 7 communes et qui n'a que 3 tribunaux qui doivent jouer le rôle des 4 autres qui n'existent pas encore? Le Cameroun compte 5 magistrats pour 100 000 habitants. Savez-vous que les procès-verbaux sont dans la plupart du temps dressés par les officiers de police judiciaire et non par le procureur de la République comme l'exige la loi? Ainsi va notre justice. Elle est lente, mais très rapide au fond. C'est toujours avec le cœur serré que j'évoque des questions liées au droit, à la justice. Cher Lamel, vous êtes au courant de la raison pour laquelle j'évoque ces sujets-là avec beaucoup de retenue et de pondération, parce que c'est important de le signaler. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la justice est rendue au nom du peuple, le seul peuple qui est souverain, et qu'au Cameroun, l'organisation judiciaire met le pouvoir judiciaire parmi les autres pouvoirs, que sont le législatif, l'exécutif, et donc dans un pays normal, on pourrait avoir ce qu'on appelle aux États-Unis la politique de contre le pouvoir, et mettre en perspective ce que Montesquieu rend dans son esprit des lois, d'ailleurs, ces pouvoirs-là qui doivent aujourd'hui faire se checker et se balancer. Mais le Cameroun est une curiosité parce que, comme vous le savez, sur le plan économique, le classement Doing Business de la Banque mondiale, d'ailleurs, évoque 10 critères pour classer ces pays où le climat des affaires est assez conséquent. Et parmi ces 10 critères, il y a évidemment comment là, dans le pays qu'on observe, on administre la justice. Parce que vous savez que lorsqu'une procédure est très lente en justice, ça crée des manques à gagner pour les opérateurs économiques. Par exemple, sur le plan foncier, lorsqu'il va falloir qu'on décide de qui ou de quel autre opérateur a droit à tel domaine, si ça met beaucoup de temps, l'investissement qu'on est censé faire prendra du temps et ça pourra faire fuir les investisseurs. Cela dit, on a également le code pénal camerounais qui a tout récemment mis en lumière quelques infractions quand même qui peuvent porter à interrogation. Mais davantage, le code procédure pénale qui est venu alléger un peu et codifier ce qu'on pourrait appeler à l'époque les abus dans ce qu'on faisait en termes de garde à vue, en termes de détention préventive. Vous savez, au Cameroun, désormais, lorsque vous êtes arrêté dans le cadre d'opération Épervier, il est difficile qu'on vous fasse prester ou bien qu'on vous fasse
fasse aller devant le prétoire étant libre, donc généralement on vous met sous mandat de dépôt, ce qui est en soi également une question qu'on pourrait se poser ce matin. Bon, Robin Khan, c'est à vous que je pose la première question sur cette question liée aux pesanteurs, aux insuffisances et à tout ce qu'on peut remarquer comme étant des problèmes liés à notre justice. C'est pour dire que le Cameroun est une curiosité parce que le président de la République est en même temps le président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc le président a une mainmise assez conséquente sur le système judiciaire camerounais. Et donc on pourra dire tout ce qu'on veut, on reviendra toujours sur l'exécutif camerounais qui a un rôle à jouer pour que la justice soit ce qu'on veut, qu'elle soit rendue au nom du peuple. Absolument. Et je vais à votre suite pour dire que lors de la dernière session du Conseil supérieur à la magistrature, je pense que c'était en 2017. Nos confrères du journal Kalara nous appelaient que le président de la République, alors le Conseil avait maintenu au même poste pendant 30 ans une femme qu'on appelle Josette Essumba et qu'elle était âgée à l'époque de 80 ans. Voilà. Elle était inspecteur de service au ministère de la Justice, garde des Sceaux. Depuis 30 ans, donc, si elle y est encore, ça fait 31 ans, et elle a 80 ans. 80 ans. Non, en 2017, 80 ans, et maintenant, si elle y est, elle doit avoir 81 ans. Voilà un peu, c'est pour vous dire, comme un inspecteur de service au ministère de la Justice qui cumule comme ça, ça veut dire que c'est bon, la démocratie avance, et elle est même apaisée. L'autre chose qui nous vient des magistrats eux-mêmes et des avocats, c'est que il y aurait plus de prévenus que de condamnés dans nos prisons. On parle de surpopulation carcérale. Pourquoi y a-t-il alors plus de prévenus? Et Charles Lambert parlait de cette célérité. Pourquoi on ne peut pas? Et on vous a mis là, on ouvre le dossier, votre information judiciaire. Si on sort, qu'est-ce que vous appelez là, souvent, bon, et s'il y a un non-lieu, d'accord, on vous libère. Si vous êtes accusé, on passe au procès, on vous condamne. Mais pourquoi tant de prévenus? Non, voilà ce qui explique un certain nombre de choses. L'autre chose qui se rattache à cela, dans l'ordonnancement judiciaire camerounaise et dans son déploiement, il est prévu un tribunal de première instance par arrondissement. Il peut même avoir deux par arrondissement, ça ne gêne pas, mais au moins un tribunal de première instance par arrondissement. Ça aurait pu faire 360 pour les 360 arrondissements. Et un tribunal de grande instance par département. Donc, et le problème, c'est que les tribunaux, nos palais de justice, comme on dit, sont construits avec l'aide, le don ou le financement d'après de l'Union européenne. Donc, jusqu'en 2018, c'est l'Union européenne qui aide le Cameroun à construire les palais de justice. Et il se trouve que pendant longtemps, il y a, je pense, deux ou trois promotions de l'énorme des auxiliaires de justice qui n'étaient pas affectés, sont restés là pendant longtemps. Et je pense qu'on est en train de les intégrer progressivement. L'autre chose qu'on ne peut pas nier non plus, et vous en avez parlé dernièrement, pendant la prestation de serment du Conseil supérieur, du Conseil constitutionnel, les deux systèmes judiciaires, comment on devrait prêter serment à ce moment? Oui. À quoi allons-nous attendre, par exemple, au Conseil constitutionnel? On vous dit, ça doit rester secret. Ça doit, d'accord. Le deuxième, c'est que l'autre système judiciaire du common law, on a bien nommé les huissiers et les notaires francophones dans la région anglophone. Voilà, ça rajoute aux lenteurs. Si vous prenez seulement le problème de litiges fonciers, vous en avez fait état tout à l'heure. Dans le système francophone, c'est le sous-préfet qui est le président de la commission consultative de délivrance du titre foncier. Et vous savez combien de temps ça met. Et le titre foncier, en principe, devait être inattaquable. Donc, on vous donne un titre de propriété. En principe, c'est inattaquable. Parce que ça commence par le bas. Les tenues des palabres. Est-ce que ce terrain, c'est le terrain de Mbombok? Il l'a mis en valeur quand? Il l'a acheté? Comment ça va être? Mais pourquoi tant de tripatouillages? Au point où Bombok obtient son titre foncier, ton titre propriété. Ah, tiens, monsieur, il faut posséder quoi dire. Non, mais voilà, on va attaquer plein de procès et tout. Et vous l'avez dit, ça ralentit même au niveau
de ce qu'on appelle l'environnement des affaires. Oui. Ça ralentit au niveau de l'environnement judiciaire même. Ça ralentit au niveau même des concours. Ça ralentit au niveau de l'administration territoriale. Donc, l'autre justice va mal. Comment allons-nous donc parvenir à réconcilier le citoyen et ses institutions? Vous l'avez vu, il s'est passé quelque chose de type de fondamental, je termine par là. Et le premier président actuel de la Cour suprême le dénonçait, lui il parlait de justice privée, nous parlons de justice populaire. Lorsqu'on arrête un bandit, on met le feu sur lui. Il dit, mais non, ce n'est pas bon. Effectivement, ce n'est pas bien. Mais précisément parce que nous n'avons pas confiance en notre justice. Dernièrement, Kéti Diarra, notre conseil, fait un reportage au quartier Makéa. On arrête des bandits et dit devant les gendarmes, chef, on reviendra. Chef, on reviendra. Et le chef de bloc de quartier a commencé à pleurer en disant, mais s'ils reviennent, nous, on n'est plus, on est mort. Ils reviendront. Voilà dans quel. Vous mettez en perspective donc, également le rôle qu'on pourrait donné au procureur de la République, qui en règle générale doit être au premier plan de tout ce qui arrive dans absolument. Le pays. Mais sauf qu'on se rend compte qu'il est aux policiers, les policiers sont les auxiliaires, les officiers de police judiciaire. Tout à fait. Donc ils agissent sous, j'allais dire, le commandement du procureur du général. Oui, voilà. Du parquet, tout à fait. Et je rappelle que dans les pays comme les États-Unis, le procureur de la République est élu par suffrage du peuple. Donc ça apporte également une certaine crédibilité et aussi une obligation de résultat, une pression supplémentaire pour respecter le mandat du peuple. Là encore, c'est un vrai exemple de démocratie. C'est une réforme qu'on a souvent entendue ici et là, de faire en sorte que le procureur ne soit plus le seul apanage du ministère de la Justice et qu'on les laisse. C'est le ministère public, c'est lui qui parle, puisque moi je peux même refuser de porter plainte contre vous. Si l'affaire est portée, le procureur de la République s'est saisi de l'affaire. C'est lui le ministère public. C'est pour ça que vous avez raison d'insister dessus, que le juge il va rendre une décision au nom du peuple. Tout à fait. D'accord. Il faut même savoir, pour ajouter de l'homme au lendemain, il faut savoir que généralement, les procureurs ne se fient qu'au procès verbaux établi par les officiers de police judiciaire. Jamais il n'a le temps d'être là pour pouvoir saisir. Aller dans un tribunal, allez vous asseoir pour assister à une affaire. Il faut être fort d'esprit. À des moments, on démarre, 5 minutes, soit vous avez le juge est toujours en train de regarder sa montre. Si c'est le téléphone qui sonne, pardon, une minute, il sort, il va et cause. Il prend le temps, il revient, ça reprend. Vraiment, vous vous demandez, mais on est où? On est où? De ces affaires au niveau du commissariat qui traînent, parce que vous avez un problème, première tentative, deuxième tentative, on dit, bon, ok, déférer la personne, on joue au dilatoire jusqu'à vendredi. C'est le vendredi qu'on pense envoyer la personne. Lorsqu'on arrive le vendredi, tous les bureaux sont déjà vides. Il n'y a pas ni procureur ni juge au niveau du parquet pour pouvoir recevoir. Vous repassez encore tout un week-end, vous sortez là lundi. Lundi, il arrive, vraiment, il est fatigué, il ne veut pas regarder. Le week-end était très douloureux, vraiment, il est fatigué. On vous renvoie à mardi. Mardi, il faut négocier même pour être reçu. Imaginez-vous là où on est en train d'aller. On se demande, mais finalement, nous sommes en train d'aller où? Comment on vous arrive, on ne consulte même pas votre casier judiciaire. On dit, quand je vois vos cheveux même là, les cheveux ressemblent aux cheveux d'un gars qui d'habitude est dehors. On doit même, quand c'est seulement tes cheveux que je vois là, me dis tout sur toi. On te signe. Quand je vois ta façon de parler là. Et je rappelle d'ailleurs que j'ai un ami qui a subi le même coup. Lui, il arrive au Cameroun. Le bonhomme, il est en France, il vit là-bas de manière naturelle. Il arrive au Cameroun c'est un mec en lox. Le gars arrive au tribunal et puis, du coup, on l'a catalogué en bandit. Comme fumeur, puisque, vous savez, Là, n'est pas bon. Mais, Chalamel, avant qu'on continue, avant qu'on ait davantage, j'aimerais quand même faire un coup de chapeau au pendant de la justice civile, au tribunal militaire, où le commissaire du gouvernement, qui est le pendant du procureur de la République au tribunal militaire quand même, j'ai vu là-bas faire du bon travail. Une célérité. Oui, il y a une vraie célérité dans les procédures militaires et ça. Donc, de ce côté, il n'y a pas un seul magistrat n'a pas 10, une quinzaine de rôles. Voilà, je tiens à le dire parce qu'il faut le dire. Moi, je vois...
Oui, bon, oui, tout à fait, c'est vrai. Un débat, on peut l'ouvrir le débat. Non, ce n'est pas un débat, c'est vrai, vous avez voilà. raison. Sauf que la crise anglophone est là, ils ont encore les détenus. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Mm. Bon, on a soulevé quelque chose que vous, dont vous n'avez pas relevé tout à l'heure. Nous avons, on a pris la ville de Yaoundé, qui a 7 communes et 3 tribunaux seulement. Vous me regardez. C'est le premier. Prenons la ville de Douala. Et que dit Douala? La ville de Douala, la combien? 6 communes. 6 communes. Que dit de Douala alors finalement? Et à Yaoundé au moins ils sont peinards. Alors mais c'est vrai quand même que tout le monde a droit à plusieurs niveaux de justice puisque il y a le premier recours qui est le tribunal de première instance, il y a le TGI, il y a également la cour d'appel et puis la cour suprême. Alors quelqu'un me disait tout, pas quelqu'un, il est désormais entendu que vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Florazé au Cameroun, ça peut davantage se comprendre parce que lorsque vous êtes devant la justice au Cameroun, on ne sait pas très bien où ça peut tomber, même quand vous avez raison. Oui, Eric Fopoussi, mais le maître mot, Chamel l'a dit, c'est, il a parlé de négociations et autres, mais c'est la corruption. Mais attendez, on est dans comment, on a combien d'enquêtes a-t-on ouverte au Cameroun qu'on n'a jamais refermé? Très bonne question. Pas, donc vous ne pouvez pas accuser. Est-ce que le procureur, les juges d'instruction ouvrent jamais... même les enquêtes? Déjà, je vous renvoie au dernier rapport de la CONAC. Regardez dans quel. J'ajoute encore le dernier cas de regard social de cet aveugle malvoyant qui allait acheter un terrain et dont actuellement les magistrats qui sont présents nous ont tombé sur elle. On est en train de tout faire, tout falsifier pour aller acheter son terrain. Elle ne voit pas, elle verra comment. Non, la vérité est bon, qu'il l'a dit. Comment réconcilier avec tant de trafic, manque de responsabilité, comment renouer? Réconcilier le peuple avec la justice camerounaise. C'est difficile. C'est pourquoi vous allez constater que le discours est tellement violent au sein de la société que quand on attrape même un bandit, quelqu'un qui ressemble, qui est bizarre et tout, mais c'est chacun qui veut se faire justice. Parce que justement, on a toujours été face à ce spectacle. C'est-à-dire qu'on reçoit un receleur, on a identifié quelqu'un comme étant avec des preuves même à l'appui. Le lendemain, on le retrouve là, il fait les courses et tout, là, il n'est pas inquiété. C'est ça le véritable problème. Et puis on se pose la question, que fait dans les auxiliaires ou alors tous ceux qui sont chargés justement de s'occuper de la justice qui a au Cameroun? Un mot avec tendance également sur le sujet, oui. Ce qui me cœur, ce qui me ronge, ce sont les détenus qui sont dans nos prisons au Cameroun. Tu vois quelqu'un qui est en prison, ça fait 5 ans, on ne l'a pas encore jugé. Voilà, justement. Parfois, quand on l'invite au parquet, arrivons, on renvoie. Non, renvoie. On dit qu'il est arrivé en retard. Ton procès est à 10h, comme tu arrives à 10h. Le camion est tombé en panne, il n'y avait pas de camion pour l'amener. Vraiment. Il n'avait pas d'argent. C'est même ça qui fait en sorte que les gars peuvent s'entretuer entre eux là-bas en prison. Parce qu'il y a des moments où, quand il y a mort, les gars veulent s'évader. Tu vois quelqu'un qui est allé en prison, peut-être à cause des injures, que tu as insulté ton voisin, il t'a pris envoyé en prison, après il ne s'est même plus plaint. Dès que tu es en prison, personne ne vient. Quand tu envoies devant, le plaignant n'est pas là, on dit à renvoyer. Voilà. On ne te juge pas. Très bien. C'est mieux que tu lui donnes sa peine. C'est mieux que tu lui donnes sa peine. Dès qu'il finit de consommer sa peine, il libère. Voilà, madame, monsieur, merci. 2 ans en prison, c'est beaucoup. Infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision, la télévision qui, au-delà de l'image, vous rencontre. Une pause s'impose. On revient dans un court instant pour la suite au Zénith. Pour cette deuxième heure de votre émission reconnue d'utilité publique, 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision. Equinox, on a souvent dit, on entre donc en os avec vous tous les matins entre 10 et 12 heures pour évoquer les faits nombreux qui gouvernent notre société. Une fois qu'on a dit ça, on va tout de suite prendre la revue des réseaux sociaux de cette matinée du mercredi. Nous sommes le mercredi 21 mars 2018, Florazé. Oui, Eric Fopoussi, deux informations pour cette journée. Il y a une autre information, vous savez, on prépare activement la CAN pour l'année 2019 au Cameroun et puis pour la seconde fois, donc on a donc les inspecteurs de la CAF qui sont donc au Cameroun pour visiter soigneusement les infrastructures sportives. Et on rappelle aussi qu'il y a quelques semaines aussi le Premier ministre Philippe Mouyon s'était activé aussi à vérifier toutes les infrastructures hôtelières, sportives à travers les différentes régions du Cameroun.
et puis pour l'heure. Donc, on s'interroge sur la toile. Déjà, on a quelques infrastructures. Déjà, la toute première infrastructure sur les, sur les domaines. Déjà, là, le stade de la réunification qui est donc justement en pleine élaboration. Mais on a encore quelques petites limites et au point où les internautes s'interrogent si bel et bien on aura justement toutes les infrastructures sportives qui seront rendues à temps pour cette compétition. Vous savez, le débat, il est très lourd sur la toile. Certains estiment qu'il vaudrait mieux arrêter. D'autres sont encore très positifs et espèrent que tout va pour le mieux. Donc, on aura ces infrastructures qui seront donc libérées avant le compte estompé. Mais maintenant, pour l'heure, est-ce que justement les inspecteurs iront de façon positive? En tout cas, on attendra justement le déroulé de ces informations. Alors, je me rappelle d'une dernière sortie de Hamad, le président de la Confédération africaine de football, qui demandait aux Camerounais de suivre le président Paul Biya dans cette tâche et cette mission d'organisation de la CAN 2019. D'ailleurs, vous saviez, vous savez quelles sont mes positions désormais sur cette CAN, parce que je suis pour que le Cameroun organise définitivement cette CAN 2019 et qu'on mette en œuvre tout ce qu'il y a à faire pour construire toutes les infrastructures nécessaires pour abriter le continent africain en juin 2019, et surtout que une fois ces infrastructures là construites, ce sera beaucoup de bien pour nos jeunes sportifs camerounais qui bénéficieront de ces stades qui sont construits ici et là. C'est vrai qu'on peut aujourd'hui questionner la lenteur des travaux et se demander si on pourra donc être au rendez-vous de cette CAN avec la lenteur qu'on observe sur différents chantiers. Bon, Bengane, c'est à vous que je pose la première question ce matin. Cette mission de la CAF, cette deuxième mission de la CAF avant celle fatidique de février prochain, c'est quand même quelque chose de positif. Qu'est-ce qui est positif dedans? Ce qui nous met, comment je vais dire, ça sous pression. Mm. Ah oui, là c'est bon. Mm. Moi, contrairement à vous, moi je suis pour qu'on construise ces infrastructures et qu'on n'organise pas la CAN. Ce qui est positif, c'est que évidemment on nous met sous pression. Absolument. Et ça, c'est bon. Surtout que ça fait suite à une récente visite du Premier ministre dans, sur les chantiers de la CAN. Ça veut dire que nous nous pouvons avoir les infrastructures. Et on nous retire l'organisation de la CAN. Pourquoi? Là, nos équipes auront au moins ces infrastructures-là. Parce que les deux plus grandes datent de 71 pour la Coupe des Nations 72. Et comme vous avez dit, il nous reste un an. En fait, la CAF va prendre la décision finale en mars 2019. Oui. Donc, 3 mois avant le coup d'envoi de la compétition. Donc, nous avons encore 12 mois selon le calendrier. Mais pendant les 12 mois, ce qui me fait plaisir, c'est que dans bientôt, nous allons entrer dans la saison de pluie. On y est déjà. Voilà, dans les grandes saisons de pluie, juin, juillet, août, septembre. Bon, et je souhaite que ça ralentisse un peu les travaux. Bon, mais il ne faut pas dire ça. Absolument. Pourquoi vous avez oublié le changement climatique? Parce qu'il a plus qu'en décembre. Non, voilà. Nous avons des élections organisées. Il n'y a pas de travail. On vient d'annuler les rendez-vous d'affaires avec les Camerounais, les Chinois. Vous voulez nous amener à la CAN? Très bien. Encore que la CAF nous a fait une faveur. Il dit, je ne m'occupe pas des infrastructures routières qui relient les villes. Maintenant, il faudra les avions. Et malgré cela, le délégué du gouvernement, Antonin, dit quand même que lui va faire la route de Colbon pour la CAN. Donc, il va casser les gens parce qu'il faut faire la route, il va là-bas jusqu'à Cannes. Ils avaient 70 jours. Aujourd'hui, il reste 48. Donc, avec ce genre de désagrément que vous causez aux populations, avec cet endettement, j'allais même dire c'est ce surendettement que vous nous amenez, soyons sérieux. Ça veut dire que mon petit-fils qui sera né en juin 2019 aura déjà une dette d'environ 300 000. À payer. C'est une dette, voilà, c'est une dette vertueuse. Et ceux qui viendront après, donc le surendettement dans lequel ce gouvernement nous a mis, c'est ça qui me mène à dire que au moins qu'on s'endette, on laisse les infrastructures, mais on n'organise pas la compétition. Du moins. Donc, je voudrais même que M. Hamad envoie encore une autre. Hamad, Charles Abel, Hamad, il est clair. Hamad a pris fait et cause pour deux Camerounais qu'il estime être des Camerounais
qui ont une certaine posture à l'échelle internationale, tel que le président Paul Biya et Samuel Eto'o. Vous dites avec peu de, depuis le Maroc, il y a une métamorphose psychologique d'Amad Amad qui est devenu doux. Il se plaint non, plus. Non, il va nous coincer. Non, mais même pas. On sait comment le Cameroun fonctionne pour rendre quelqu'un dur. Un os dur, on connaît comment non, était il existe des colas. Mais c'est vrai. Les bonnes colas ont été utilisées pour le ramener. J'aimerais bien qu'on remette les mêmes images et que ceux qui nous traitaient, la régie peut nous remettre les mêmes images et que ceux qui nous traitaient de babardologues, regarde comment les travaux ont véritablement avancé. Vous voyez, vous me regardez, les travaux ont avancé. Vous voyez ça, ça a avancé. Vous pensez que ça se fait quoi? Même en 4 mois, on a fini ça. 4 mois, c'est fini. Donc, vous pouvez même jouer. Soyez en décembre, vous allez jouer sur ce stade-là. Parce que la pelouse aura poussé. Vous serez. Alors, les 8 mois possibles, hein, d'accord. La pelouse aura poussé. Mais vous voyez, c'est comme si on prend un bandeau. Vous savez, on prend un bandeau, mais surtout les yeux des Camerounais, on leur dit ça va aller. Marchez, hein, marchez, ça va aller, marchez. On vous dit que ça va aller, marchez. Arrêtons quand même de nous tromper. Ça, c'est de la poudre qu'on est en train de verser dans les yeux des Camerounais. Ça ne pourra pas. Je crois que je m'inscris dans la logique de bonbon. Oui, qu'on nous construit ce stade. Mais non, qu'on ne l'organise pas. C'est terrible sur ce plateau. Bonbon et Charles Abel sont d'une. Je ne sais pas comment vous répondre parce que et quand j'envoie l'argument des infrastructures pour nos jeunes sportifs, je suis certain que personne ne trouvera à redire. Mais ils m'ont sorti le cadre. Oui. Qu'on construise les infrastructures. Qu'on construise tout, mais qu'on ne fasse pas de cadre. Il y a une académie de football au Cameroun, il faut bien que tous les infrastructures. Voilà, tous les espaces. Ils ont mal les bâtiments. Oui. Bon. Nous, on a gagné 5 ans. Oui. On en a abrité ici. En 72. On a gagné en 84. En 72, en 88. Jusqu'en 2017. Donc alors qu'on ne peut même pas. Eto'o a essayé pendant longtemps d'amener les Ronaldinho ici. Pour jouer, il n'y avait pas de. On aurait vu Ronaldinho, les Messi au Cameroun pour jouer. On a interpellé le ministre, les députés ont interpellé le ministre au sujet des 22 milliards de la CAN. Il a dit non, c'était 22 milliards de manière estimative. Il n'est pas rentré dans les détails. Vous savez, quand tout devient flou, on se perd. On a l'impression que les Camerounais sont sous, ils ont bu le ha ou le chat. Les Camerounais ne sont pas sous, on se rend compte, on voit ce qui se passe sur le terrain. Mais toujours est-il que cette CAN va bien se tenir, ouais, quels qu'en soient les commentaires pessimistes qui tournent autour. D'ailleurs, en tout cas, je vous le dis encore clairement. Les hôtesses vont accueillir. Oui, effectivement. Surtout que pour l'économie camerounaise, c'est également une occasion pour les entreprises camerounaises de faire la consommation. Tout à fait. Parce que l'Afrique qui viendra va consommer de très bons mets traditionnels. J'ai pas encore fini, Charles, vous aurez la question. J'ai pas encore fini. Et en plus de cela, vous imaginez que pour les médias comme Equinox, on aura encore beaucoup plus des annonceurs qui viendront évidemment se greffer à tous nos programmes liés au football, comme toujours. Hein, c'est une occasion pour les télévisions de tirer leur épingle du jeu. Donc, pour toutes ces raisons-là, je trouve que cette CAN, elle est souhaitable, elle est souhaitée d'ailleurs pour le pays. Charles Abel, votre question. Ma question, non, 30%, centre, 25%, 30%, littoral, 30%, oui. Vous allez remonter le gable en combien? Vous allez voir. Ils vont relever l'économie. Non, avec 30% d'avancement des travaux. Avec la voie ferrée qui n'existe pas, la voie ferrée qui n'existe pas, ça va aller crescendo. Les routes qui n'existent pas, ça va aller crescendo. Et qui nous a couvert et j'attends vos excuses officielles sur ce plateau. Quelles sont les garanties? J'attends vos excuses officielles. Surtout quand on va remporter la CAN. Charles Amel et Bobek, j'attends vos excuses officielles au Camerounais en juin 2019 quand le Cameroun, quand on jouera le premier match au stade Olembe à Yaoundé. Nous ferons la dernière inspection. Ne faites pas une histoire, c'est deux stades qui fonctionnent. On connaît comment les Camerounais vont jouer. C'est deux ou trois stades qui fonctionnent. On veut tout l'ensemble, le respect du cahier de charge. Vous commencez à changer. Déjà. Florence, allez-y. Non, la vérité, c'est que nous sommes. Vraiment, c'est pas possible. L'avancée des travaux, c'est vrai. On a quand même accusé du retard. Oui, on l'avoue, mais il faut rester positif. Il faut rester avec cet esprit patriotique quand même. À nous tous, nous voulons quand même, parce que
Et même que l'état d'esprit aussi de l'équipe nationale qui est déjà en train de se former, ça aussi c'est un véritable problème. Il y a une grosse compétition qui attend les Lions Indomptables. Donc vraiment, je crois qu'il faut beaucoup de sérénité, beaucoup d'attitude positive autour de ce projet. Nous voulons avoir cette CAN au Cameroun pour les atouts qu'Eric Fopoussi, Monsieur Fopoussi a évoqué tout à l'heure. Donc je crois que c'est avoir cette CAN, la vivre au Cameroun, ça sera un avantage aussi pour le pays. Et pourquoi pas, à travers les fautes, c'est-à-dire qu'à travers le passé, à travers les fautes commises, on peut se rattraper pour les années futures aussi. Donner d'abord un entraîneur définitif au RC Lyon. Voilà, et également tendance ça, qui arrive. Il y a également tendance qui a également qui a aussi son mot à dire, parce que c'est l'un des soutiens de cette CAN 2019. Oui, Tendance, je suis avec toi, ma tendance. Oui, parce qu'il n'y a pas deux personnes qui soutiennent cette CAN autant que toi. J'ai le maître traditionnel qui veut venir vendre au stade. J'ai le tarot qui veut venir vendre là-bas. La tenue militaire. La tenue militaire qui veut venir vendre là-bas. Le Mitumba. Donc tous les joueurs, là, tous les étrangers qui arrivent au Cameroun, sachez qu'il y aura le restaurant Tendance Cogne de ce côté, les mets traditionnels. Donc vous allez goûter les mets du Cameroun. Oui, c'est que vous n'avez pas l'habitude de manger dans les autres pays africains. Vous allez manger ça et dans mon stade, il me fait un truc toujours dans le stade. Mais bon, ça fait du bien, pourquoi pas. Il faut que le Cameroun arrête de déstabiliser les gens et de stresser les gars qui sont au chantier. Il faut les encourager. Quand vous restez sur les réseaux sociaux, vous, chacun dit sa part, vous insultez, ça fait que les travaux n'avancent pas. Quand les Camerounais arrêtent le travail à Japuma parce que les Turcs n'ont pas payé, ce n'est pas nous qui les avons demandé. On ne refuse pas, mais alors, ils vont payer. Est-ce qu'on a déjà remplacé le chef de projet du stade Olympique? Mais ça n'empêche pas les projets. Mais attends, c'est pas une affaire, on a remplacé le lendemain. C'est pas une affaire. Alors, ce qu'il faut. Bon, comment c'est rare pour qu'on supplie quelqu'un pour le travail. Tu ne peux pas travailler, tu pars. Voilà. Pour travailler, d'abord, c'est dur. Donc, les patrons qui viennent faire, les chefs des chantiers qui viennent se vanter que nous sommes les seuls, quoi, on a fréquenté les ingénieurs là. Tu ne veux pas, tu pars. Ok, mais toujours est-il qu'il est important quand même que nos autorités puissent prendre conscience de ce que ça urge et que tous les problèmes qu'on note sur ces chantiers-là soient réparés, et on alerte aussi parce qu'on a un rôle sur ce plateau d'alerter et de dire que là ça va mal, attention, ça pourrait ne pas marcher. Donc attention également pour ces chantiers où on note des anicroches. On note des goulots d'étranglement avec des ouvriers qui souvent font des bruits et, par rapport à leur traitement et tout ce qu'on peut imaginer comme conditions de travail. Donc là, sur ce plan-là, il y a beaucoup à faire pour l'État du Cameroun sur ce plan, sur cette question précise. Alors, Flora Z, on va prendre l'autre information. Oui, l'autre information qui fait le buzz au Cameroun et sur la toile, c'est cette information de ce taximan bastonné et tué même par des gendarmes en plein cœur de Yaoundé, en Ngousso précisément. Et c'est une histoire d'un échange qui n'a pas tardé à virer justement à une querelle. C'est un pal d'ego entre justement ce taximan, le nommé Vandonga Chal et quelques éléments de la brigade de Ngousso. Alors les faits relevés par rapport à cette histoire sont que le taxi, en fait, le taxi du monsieur est tombé en panne. Et puis la scène se déroule donc hier, et puis le taximan s'est battu pour garer définitivement son véhicule afin de remédier au problème. Et donc il a été interpellé donc par quelques gendarmes de la brigade de Ngousso. Le taximan a donc tenté en vain d'expliquer pourquoi le véhicule était là. Il a donc été interpellé et conduit dans, au sein même de la brigade où il a été sauvagement bastonné. Il se serait même évanoui et puis conduit dans un hôpital de la place où il a donc rendu l'âme vers où il aurait rendu l'âme. Et puis on apprend également que tout le rond-point justement a été broué de population en Ngousso. Les populations ont pris d'assaut justement ce carrefour, les taximans, moto-taximans. On a même eu l'intervention justement des forces de l'ordre et même pour calmer justement les ardeurs des populations. Et puis pour besoin d'enquête, on rappelle que les éléments, ces gendarmes auteurs de cet acte sont donc au CED actuellement. Le corps du dit taximan a donc été justement pour plus d'éléments, pour plus de preuves amenées dans une morgue de la place. Et puis voilà donc l'information qui est donc buzzée sur la toile. Et puis on parlait encore de justice aujourd'hui. Et puis sur la toile, vous savez,
Tout le monde est contre cet acte. Ce sont des cris, des pleurs justement sur la table parce qu'il y a quand même eu mort d'homme, Eric Fopoussi. Aux États-Unis, ils ont un terme là-bas qu'ils appellent violence policière et on l'a beaucoup entendu lorsque les Noirs se faisaient agresser et même tuer tel du bétail par des policiers racistes américains. Mais bizarrement, depuis que Trump est là, j'ai pas beaucoup entendu des informations relatives à ce type d'acte. Mais bon, au Cameroun, lorsque un gendarme, lorsqu'un homme en tenue en vient ainsi à ôter la vie, même si là on imagine que ce n'est pas volontaire, à un citoyen, ça pose des problèmes. On a tout récemment eu cette histoire de ce gendarme fou de la promotion 2015 qui a abattu sa petite amie et puis un ami, un voisin du quartier avant d'avoir battu le capitaine et tout. Donc ça peut nous permettre ce matin de remettre sur la table cette question de la responsabilité de ceux qui sont chargés de maintenir l'ordre dans notre pays, Charles Lamel. Monsieur Fopoussi Negou, il faut dire que ces gendarmes ont sorti ce taximen de son taxi. Ils sont venus, ils l'ont interpellé. Je ne pense pas que le chef de l'État devait passer. Je ne pense pas que la première dame devait passer. Encore moins Brenda et Junior devaient passer pour qu'il y ait tout autant de sécurité tout autour de cette brigade de gendarmerie. Premier point. Je ne pense pas qu'il y avait un prisonnier de l'opération Épervier qu'il fallait absolument surveiller pour qu'on puisse mettre là. Deuxième chose, ce n'est pas l'homme. L'homme a fabriqué la machine a fini par trahir l'homme. Voilà l'individu, un Camerounais lambda, dont le véhicule tombe en panne, comme tous les jours. Comme les bus de la Socature, comme la voiture du chef de l'État, comme la voiture des ministres, comme la voiture à longueur de journée. Qu'on vient interpeller cet individu qui dise, chef, la voiture est tombée en panne. Est-ce que c'est de ma faute? Que les gens vont aller ton bois là, aller tes conneries, aller. C'est normal qu'il échafaude parce que le gars est perdu. Qu'on le sorte de son véhicule avec des coups de poing, des coups de pied, des rangs, qu'on le piétine, qu'on le militarise, qu'on se rende compte qu'il saigne. Voilà des infractions, oui. Qu'il saigne. Qu'on le traîne comme un vulgaire sac de macabre, aucun de la brigade, sous les yeux complaisants du commandant de brigade. Qu'on le jette avec le sang et la traînée de sang dans la cellule. Non. Non. On a déshumanisé non. Le maintien de l'ordre au Cameroun. Qu'on se rende compte oui. Qu'il s'est évanoui dans la cellule. C'est à ce moment qu'on appelle le propriétaire du véhicule. Dans le nom de le propriétaire, lorsqu'il arrive, on fait sortir l'individu, le propriétaire du taxi. C'est le propriétaire de mon propriétaire. On se rend compte que c'est grave. On lui prend une fois, tu l'amènes. Le propriétaire de qui? C'est moi qui l'ai amené ici. C'est moi qui l'ai traîné là. Non, prends une fois ici, quelque chose lui arrive ici. C'est comme ça qu'il se retrouve à l'hôpital après avoir saigné pendant 2 heures. Voilà. Je voudrais à votre suite adresser toutes mes condoléances à la famille de Taximan, mais également à un ami, c'est le président du syndicat, de leur syndicat, Étienne Defosse-Aucun, hein, que je sais très accroché et arrivé à ce programme ce matin. Bon, Bengane, on évoque ce matin ce cas de bévue policière. On non, appelle ça. Non, ce n'est pas policier, c'est gendarme. Ils connaissent la loi, les gendarmes. Mais c'est les policiers, c'est les gendarmes. Jean-Labelle, attention, c'est le maintien de l'ordre. Donc, on va mettre ça sur le compte de la police. D'accord. D'accord. Parce que j'ai pas trouvé l'adjectif pour accompagner gendarme à Bévue. Donc vous comprenez. Bon, ou bien Bévue militaire. Ou Bévue de gendarme. D'accord. Bévure de gendarme. Bon, Bégane. Non, et je pense que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ne viendra pas nous dire que le REDAC et Amnesty International complotent contre le Cameroun. Parce que là, ça s'est passé dans une brigade de gendarmerie. Et le cas de Ibrahim Bello, dernièrement, on a tourné ça et tout. Et voilà un autre cas. Donc bon aussi, vraiment. Voilà, donc bon. Et dernièrement aussi, c'est le bâtonnier de l'ordre des avocats qui a été jugé. On avait tabassé un avocat. Un avocat. À la part des gendarmes. Maître Aboyoyo. Mais c'est terrible, ça se répète. C'est ça le Cameroun, un état de droit. Ouais. C'est ça un état de droit, oui. Le Cameroun. Donc un gendarme peut vous arrêter, vous tabasser comme il veut, jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est ça l'état de droit. Sans être inquiété. Oui, c'est ça l'état de droit.
Il y a même des avocats. Personne n'est honnête. Sans être inquiété, c'est ça qui est révoltant. Justement. Oui. Et vous parliez tout à l'heure des procédures, de, comment vous appelez ça? Procédures pénales, garde à vue et autres voilà, détentions préventives. Sont, donc, ça fait partie des résolutions de la tripartite de octobre-novembre 91 à Yaoundé. Mmh. Parce que vous, vous pouviez avoir peut-être devant un guichet dans un supermarché avec un policier, un gendarme, vous dites non. Chef, voilà, ça commence là, il vous adresse, il vous trimballe, il vous amène n'importe où. Et on était, j'allais dire, à la merci de tout le monde. Voilà donc l'état de droit revient. Voilà l'état de droit. Donc, l'état de nature. C'est l'état de droit. Si je dis maintenant l'état de nature, on va dire que je ne fais. Mais c'est un gendarme, ils sont des vous officiers. Vous pouvez théoriser obstacle. Ils sont des policiers, des officiers de police judiciaire. J'attends bien que le procureur vienne nous dire. Et même Tama Fiski est leur patron dans, dans le centre. Ils viennent encore nous dire ici que non, le taximan là, il l'avait insulté deux jours avant qu'il était ceci. Voilà, peut-être on l'avait interpellé, il l'avait refusé. Donc on l'avait pris comme un fugitif. Que, heureusement que la panne nous l'a aidé à tomber là. C'est pour ça que, bon, vous voyez. Et le porte-parole du gouvernement vous dit, mais ça fait même celui, c'est récurrent avec lui. Depuis même décembre, on le recherche donc. Vous voyez. Et puis quoi? Je veux dire que et on va tout faire, ça n'excuse pas ce qui s'est passé. Et pour ça, on va meubler, on va meubler et on va exfiltrer ces gendarmes, envoyer un autre, peut-être aussi dans un bureau là-bas, l'autre là-bas, pour qu'on n'en voit plus. Et tout, alors qu'en France, le président est interpellé, un ancien président interpellé. Voilà. Un policier qui avait fait. Nicolas Sarkozy. Les gens en garde à vue. Quand je pense à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48 et je pense également au pacte sur les libertés de 66, je me dis qu'on n'est pas sorti de l'auberge et que tous ces droits qui sont reconnus à l'homme lorsqu'ils sont ainsi bafoués par des agents de police ou des gendarmes, ça pose un réel problème. Tendance, voilà le Cameroun tel qu'il se porte. Le Cameroun sous un mandat de présidentiel de Paul Biya. Ah, comment j'ai mal au cœur. Voilà comment j'ai mal à l'estomac. Voilà comment j'ai mal partout. Tu es estomaqué. Certains policiers ou encore certains hommes en tenue se croient tout permis. Même le Tarsiman qui est mort, c'est mon frère. Parce que tous les Camerounais sont. Vous êtes de ma famille. Vous venez taper un citoyen, votre frère, comme c'était quelqu'un du Boko Haram. On vous attend au nom pour le Boko Haram. Vous ne partez pas. C'est sur ma famille. Que vous venez montrer votre force, un homme en tenue me tente. Un homme en tenue me tape et rend. Parce que vous croyez que quoi? Vous croyez que même que vous êtes l'équipe. Quand vous portez la tenue là, c'est pour nous sauver des vies. Absolument. Voilà le Boko Haram qui est en train de nous finir au Cameroun. Au lieu d'aller là-bas leur contrôler, vous venez contrôler sur un citoyen qui se débrouille pour nourrir sa famille. L'enquête qu'on doit ouvrir là, ce n'est pas le genre qu'on fait, après on oublie. Nous, on va regarder ça minute by minute. D'accord. Et personne ne va détourner l'affaire. Mon père va être au courant. Trop, c'est trop. Nous sommes d'avoir combien au Cameroun pour mourir comme ça. Faut pas seulement, parler parce que on a vu des gens parler sur l'affaire Ibrahim Bello. Depuis, personne n'en parle. Donc, vraiment, non, attention. Eric, ce n'est pas ça. Tu vois quelqu'un sortir de chez lui pour aller chercher son petit bout de pain. De quoi nourrir sa famille. Vous le tapez jusqu'à vous le tuer. Même si vous insultez, ça fait quoi? On ne vous insulte pas. Moi, même pas, je joue combien de personnes m'insultent, Flora. Je t'ai dit qu'il y a un qui m'insulte, non? Et si je gère ça? Je me l'empête. Je m'en fous. D'accord, très bien. On va surtout théoriser l'état de nature où chacun pour soi de Thomas Hobbes ce matin et remettre en perspective et dire que même si l'État détient le monopole de la violence légitime, l'État doit pouvoir également mettre en perspective quelques règles de l'art. Et en cela, on évoque ici les droits de l'homme qui rend les humanistes comme nous, des personnes qui ont foi en l'espèce humaine. Chalabel, il faut qu'il y ait un collectif d'avocats qui se crée. Il faut qu'il y ait un collectif et que pour une fois pour toutes, on puisse régler ce problème. Je peux vous assurer, moi qui suis sur le terrain, Eric Fopoussi, que j'assiste parfois à des bévues, même des militaires. Pour un peu,
que vous échangez avec un militaire au pétrole, ça va, ça vire. Soit c'est la crosse que vous recevez, la crosse, l'arme qui tient, que oui, vous tout recevez à fait, sur oui. Le village. Soit c'est les randies. Ceux qui arrivent, on vous trimballe, on vous amène, soit au BBR, soit on vous amène. Je pense qu'il faut un peu. Des abus. Un peu, oui. Il y a véritablement des abus. Oui. Il est temps que le ministre de la Défense se prononce. Il est temps que le CED, l'actuel CED, se défend, se prononce. Il est temps que même le cabinet civil, aujourd'hui, parce que c'est surtout qui détient le pouvoir, oui. qu'il puisse se prononcer sur cette affaire. Qu'un collectif, voilà une veuve. Le gars laisse une femme et des enfants. Ouais. En bas âge. Les enfants ont dit que le papa est parti. Oui. Ah, quand même. Qui vont voir les enfants, les parents de leurs amis, ils vont dire que leur papa comment? Aussi est parti. Où? D'accord. Non, parlons comme est vrai. Très bien. Il était malade. Et ça me permet surtout de penser ce matin à maître Emmanuel Sim, qui a également lui aussi été victime d'une attaque lâche. Il y a deux jours, à l'entrée de son domicile, lui qui est, comme vous le savez, l'avocat qui défend le cas Caristan et Seri contre Mbengo, le journaliste de deux jours, qui a été sauvagement également agressé, embastillé, gardé dans une cage de chien au domicile d'ex-ministre des Transports. Donc voilà, le Cameroun dans ses exagérations, ses abus, c'est compliqué. Où on vit et ça révolte parce qu'au final, ceux qui nous regardent de l'extérieur se disent que le Cameroun est un pays de non-droit. Une fois qu'on a dit ça, merci infiniment à vous, Florazé, pour ces informations sur les réseaux sociaux qui nous ont permis d'ailleurs de mettre sur la table des questions importantes et existentielles pour notre pays. La suite avec quelqu'un qui est habitué de ce plateau. Il s'appelle Consti Lamine, c'est le plus sénégalais des Camerounais ou le plus camerounais des Sénégalais. C'est à lui de choisir. C'est le concept Salaka. Bonjour et bienvenue, Consti Lamine. Oui, bonjour Eric. Bonjour à nos nombreux téléspectateurs et surtout bonjour et merci à ses clients du concept Salaka. Leur concept qui a reçu vendredi dernier le prix du meilleur concept de vente au Cameroun pour l'année 2017. Et pour arroser cela, je vais permettre à tous les clients du concept Salaka de repartir gagnant tout au long de cette semaine. Alors tous ceux qui vont effectuer des achats, quel qu'en soit où vous êtes, vous aurez bien sûr l'occasion de recevoir gratuitement un morceau de savon de 400 grammes ou alors 1 kg de riz parfumé. À vous de choisir, c'est une manière déjà pour moi d'arroser bien sûr ce prix que j'ai reçu grâce à vous. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin, le temps de rappeler à tous nos téléspectateurs que le concept Salaka s'installe à nouveau du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis en face Palais d'Ika, une agence rénovée, une agence relookée avec pas mal d'articles. Pour le bonheur de tous nos téléspectateurs, nous allons commencer tout de suite la vente avec la réalisation. Nous allons commencer par le premier produit d'aujourd'hui. Ce sont les magnifiques tapis pour la beauté, pour la décoration, pour le design. Les tapis de qualité supérieure neufs dans leur emballage. Vous les avez donc à 20 000 francs. Oui, n'achetez plus les tapis déjà utilisés. N'achetez plus les tapis qui vous donneront la maladie parce que ces tapis sont pleins de poussière. Oui, c'est terminé. Beaucoup ont acheté les tapis déjà utilisés aujourd'hui grâce au concept Salaka et au magasin 1001 Tapis, le magasin le plus connu d'Afrique centrale. Vous avez des tapis neufs à partir, je dis bien, à 20 000 francs. Un magnifique tapis avec une livraison à domicile pour tous ceux qui sont hors de la ville de Douala et même ceux qui n'ont pas le temps de venir dans notre magasin. Le second produit ce matin, chers téléspectateurs, ce sont ces appareils-là qui vous permettent de faire des jus de fruits, qui vous permettent d'écraser les condiments secs, qui vous permettent d'écraser les arachides, encore appelés ngondo ou alors granotes pour nos amis anglophones. Vous les avez à 11 500 francs et je rappelle que le stock de ces robots mixeurs tire déjà vers la fin. Oui, ne perdez pas le temps, nous les vendons depuis l'année passée et on saurait vendre un article tous les jours. Donc le stock est en train de se finir, donc dépêchez-vous rapidement au magasin 1001 Tapis en face du Palais d'Ika et achetez votre robot mixeur de bol à 11 500 francs. Je rappelle qu'il est neuf. Il est avec garantie et service après-vente au magasin 1001 Tapis. On a également des fers à vapeur. Plus besoin de porter des vêtements froissés, plus besoin d'envier son voisin. Ce sont les seuls fers à vapeur qui ont un long fil. On peut être au salon et repasser dans la chambre, être dans la chambre et repasser au salon pour dire tout simplement « ne demandez plus, virgule, les fers à vapeur, virgule, au voisin, point, virgule. » Parce qu'ils vont vous insulter. 7 000 francs, le fer à vapeur neuf dans le carton. Oui, et ça ne consomme pas assez d'énergie.
C'est le seul fer à vapeur qui ne fait pas tourner le compteur comme vous pensez. On a également, il faut le rappeler, chers téléspectateurs, des magnifiques ventilateurs de qualité supérieure, des ventilateurs à eau, des ventilateurs avec télécommande. Vous les avez à partir de 18 000 francs, un magnifique ventilateur au magasin 1001 tapis, des ventilateurs 5 hélices très très nyanga. Vous les avez à partir de 18 000 francs avec télécommande, avec eau, quelle qu'en soit la quantité, nous vous donnons des ventilateurs à partir de 18 000 francs. On est également toujours dans la grande vente promotionnelle, il faut le rappeler, des magnifiques bouloirs. Pour bouillir de l'eau, vous les avez à 8 000, une bouilloire électrique en aluminium qui ne consomme pas cette énergie. Elle est dotée d'une garantie exceptionnelle, d'une qualité hors pair. Vous les avez donc à 8 000, votre magnifique bouilloire au magasin 1001 tapis en face du palais d'Ika, c'est à quoi ? Tout de suite, les laptops, oui, laptop pour tous avec le concept Salaka. Un laptop corps de Dio. Je n'ai pas dit Pentium 4. Je n'ai pas dit Pentium M. Non, j'ai dit corps de Dio de marque Dell. 60 gigas de disque dur avec Wi-Fi et lecteur DVD à 62 000 francs. Nous n'avons que quelques pièces pour cette semaine. C'est une vente spéciale. C'est une vente exceptionnelle. Alors dépêchez-vous dans notre magasin et passez vos commandes. Ceux qui n'ont pas le temps, nous vous permettons de payer petit à petit et de le prendre après. Je dis bien 60 000 francs, un laptop, tout est installé à l'intérieur, prêt à utiliser. On a également les ordinateurs complets de qualité supérieure, cœur de Dio, avec 160 gigas de disque dur, 2 gigas de RAM à 50 000 francs. Un ordinateur écran plat 17 pouces de marque Dell ou Lenovo, vous l'avez à 50 000 francs du côté du magasin 1001 tapis en face Palais d'Ika. À côté, bien sûr, des ordinateurs complets corps de Dio à 50 000, on a encore des laptops, un autre modèle de laptop. Cette fois-ci, vous avez plusieurs marques au choix. HP, Dell, Lenovo, Siemens, Toshiba à 75 000. Oui, 75 000 francs. C'est quoi la différence? Le disque dur est à 80, la RAM est à 2, le processeur est à 1.8. Ça, le lecteur et le graveur DVD ainsi que le Wi-Fi, vous l'avez à 75 000 francs avec garantie pour ne plus acheter n'importe quoi. Ce sont des laptops d'origine européenne, américaine, bien entendu, à 75 000. Les plaques à gaz de qualité supérieure sont de retour. Trois foyers vitrés à 27 000 francs. Votre plaque à gaz de qualité supérieure au magasin 1001 tapis, commandé dès à présent. À côté, bien sûr, on a bien entendu les woofers pour écouter de la musique de la radio Equinox avec carte mémoire, sortie USB, neuf dans le carton. Vous les avez à 25 000, livraison à domicile pour tous ceux qui sont hors de Douala. À présent, nos amis restaurateurs, nos amis hôteliers, nos amis qui sont à la maison, les autorités, les chefs, tout le monde veut avoir un porte-cul automatique. Fini les pour qu'il fallait cogner le doigt pour retirer le cul d'annonce, c'est terminé. Offrez-vous, oui, mon réalisateur, les porte-cul automatique à 2000 francs. C'est nyanga, c'est beau, c'est stylé, ça donne l'envie de manger quand on est à table, oui, avec ces porte-cul. On joint l'utile à l'agréable, vous les avez à 2000 francs. Les régulateurs de tension numérique pour sécuriser les congélateurs, les climatiseurs, les robots mixeurs, quel qu'en soit l'appareil, vous les avez à partir de 17 000 francs au magasin 1001 tapis. La conclusion est celle-ci, acheter c'est bien, mais acheter au concept Salaka c'est encore mieux. Le concept qui a reçu le prix du meilleur vendeur camerounais, 2017. Les régulateurs de tension, les robots mixeurs que voici, n'hésitez surtout pas, Batobese, we douala, we pongo, we bomono. Yande tatan tatan, au magasin mille tapis. Mangolon de mette, asse any man, moscam jesno, just call jesno jesno. Anagobi for ya wonder. Merci beaucoup, Kosti Lamine. C'est tout pour ce matin. Le concept Salaka, évidemment, sur Equinox Télévision. Le temps pour nous, madame, messieurs, de vous remercier infiniment de rester toujours sur notre antenne, effectivement, parce qu'il y a de très belles choses qui vont arriver pour la suite de votre programme reconnu d'utilité publique. Je le rappelle à suffisance pour que nul ne puisse l'ignorer. La suite avec interpellation. On va prendre d'abord le contenu avec la caméra de Cédric Chouna et ensuite on reviendra pour les commentaires sur le plateau. A tout de suite. Bon,
cette question, pour ce qui me concerne, moi je parlerai plus dans le domaine de notre économie. Avec les machines des Chinois qu'ils implantent partout, ça nous ruine vraiment. Et ça empêche aussi le développement, surtout dans le domaine éducatif. Il y a les élèves qui fuient l'école, ils se retrouvent dans les bars au quartier, en train d'épuiser leur argent de beignets donné par les parents. Et la conséquence, c'est que nous allons au marché, on ne retrouve pas, on ne parvient pas à acheter quelque chose, parce que tu vas tendre un billet de 500 francs à un moment et elle ne pourra pas te rembourser. Elle n'a pas de monnaie. Où vont toutes nos pièces? Il y a plus de billets de 5 000, de 10 000, de 2 000 francs sur le marché par rapport aux pièces. Où vont nos pièces? Nous voulons savoir où vont ces pièces-là. Et moi, par exemple, pour ma résolution à ce problème, si un Chinois se présente, par exemple, devant moi pour dire « je veux déposer cette machine devant toi », je vais tout simplement lui répondre que c'est la seule condition que quand tu récupères ces pièces-là, tu me les changes. Tu me les donnes en échange pour que je puisse te donner des billets. Parce que moi-même, j'en ai besoin. Et quand mes clients viennent, je ne parviens pas à les rembourser parce qu'il n'y a pas de pièces. On a évoqué ce sujet à suffisance sur ce plateau, cette absence, ce manque de pièces au Cameroun, parce qu'on a ces machines appelées tapé-tapé, hein, comme on le dit de manière triviale, qui avalent les pièces et ne les revomissent pas. Donc c'est un réel problème. Tendance, la question, c'est à toi que je la pose par rapport à ce qu'il faut faire pour solutionner ce problème. Je dis que quand je parle chaque fois des pièces qui ont disparu, on dit longue bouche, tu parles trop. Il y a les pièces faites pour ça. Pour les jeux de Bali-Bali au casino, ils savent qu'il y a les pièces. Donc, chez les Chinois, les jeux que vous avez mis dans tous les carrefours de Douala, Kao et Lima, on ne respire pas. Et on donne tout 100 francs. Au carrefour Kayoli. Oui, pardon, papa, cherchez les pièces qu'on doit adapter à ça. À la maison, quand tu ne peux plus laisser les pièces à la maison, les pièces même pour aller écraser les condiments. Voilà. Quand l'enfant qui joue derrière au jeu, là, quand il tombe sur ça, ça disparaît. Mieux, l'argent de beignet que tu donnes à l'enfant, au lieu d'aller acheter son pain ou ses beignets, l'enfant va jouer au jeu des Chinois. Il commence l'entraînement. Il commence à aller jouer là-bas. Je préfère donner l'argent de beignet à mon enfant, il peut manger l'œuf. Il achète même l'œuf, il mange, j'avais souri qu'il a mangé l'œuf, ça fait partie de la vitamine. Que de donner l'argent de beignet à l'enfant, l'enfant va jouer au truc là. Si ça continue comme ça, je vais dire à mon père, va suspendre ça. Si vous ne pouvez pas chercher les pièces appropriées pour ça, voilà. C'est comme on peut pas suspendre. Trop, c'est trop. Il y a un ministère qui s'occupe. C'est même comment. Voilà. Et puis ces machines. Qui vous a donné l'autorisation de faire ceci au Cameroun? Tout commence, tout ce qui n'est pas bien, c'est tout. Alors que nous sommes à la veille de cette visite d'État du président Paul Biya en Chine, à Beijing, où il va rencontrer son homologue chinois Xi Jinping. Donc on verra effectivement si un tel dossier est évoqué au sommet, même s'il n'y a pas beaucoup de chances que ce soit le cas. Parce que, comme vous le savez, le Cameroun, sur ce plan-là, et on l'a suffisamment dit ce matin au Bengan, vous et moi, lorsqu'on évoquait ce sujet-là sur d'autres plateformes. On évoquait d'ailleurs le Cameroun et le rapport de force qu'il y a entre le Cameroun et la Chine, et que le Cameroun, visiblement, n'a pas les leviers qu'il faut pour imposer quoi que ce soit à la Chine. On est plus dans une relation de dominé et dominant, et le Cameroun, au final, n'a plus que ses matières premières à brader, et ensuite un surendettement qui se voit sur les grands projets structurants. Madame, monsieur, voilà pour le contenu de l'interpellation de ce matin au cœur du Zénith. A tout de suite. CIFB, Congrès international sur le bien-être, a le plaisir de vous annoncer la célébration de son 5e anniversaire qui se déroulera du 8 au 13 mai 2018 au Castle Hall à Douala. J'arrive de Paris. Je ferai des conférences, je vous donnerai des conseils. Bienvenue corporelle et belleza CISP est un événement à non perdre. Je serai là et je vous invite. Le laboratoire Pierre Fabre d'Hermocosmétiques sera présent cette édition encore avec plusieurs innovations à vous faire découvrir. Un événement à ne pas manquer. N'hésitez pas à réserver vos places dès à présent en appelant au numéro. Et
Et voilà, un congrès international sur le bien-être, parce qu'effectivement, c'est important de faire monter la mayonnaise autour du bien-être pour tout le monde. Et pour en parler ce matin, on accueille au plateau B Norberos. Bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tout le panel. On a également Linda Dedi. Bonjour. Bonjour Eric, bonjour Tendance. Bonjour, bonjour Charles Lamel, bonjour Bombok. Bonjour à Florazi. Et puis Manuela Damaris. Florazi Blacky. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, alors la première question c'est pour Norberos, évidemment. Vous nous apportez une bonne nouvelle ce matin, Norberos. Oui, effectivement, c'est une bonne nouvelle parce que le 6B, très chers amis, comme vous le savez, c'est l'unique événement au Cameroun. Je dis bien l'unique événement au Cameroun qui vous dessert en matière de bien-être. Dans le 6B, on retrouve les produits cosmétiques, les diététiciens, les coiffeurs et les shoppings. Donc c'est l'événement unique au monde, au Cameroun, qui vous permet de pouvoir entrer en contact avec tous ces produits. Et nous avons cette année la France qui sera présente, nous avons le Nigeria qui sera présent, nous avons le Mali qui sera présent, nous avons quoi d'autre, la Guinée équatoriale qui sera présent, il y a les États-Unis, l'Angleterre et la Belgique qui s'annonce ici. Donc voilà autant de possibilités. Vous avez donc cette occasion plus que jamais. Et sachez que le 6B se passe une fois tous les deux ans. C'est un parterre, près de 2000 mètres carrés d'espace avec près de 250 exposants et dans une salle climatisée. C'est aussi l'unique événement. Donc, il y a à la fois exposition avec démonstration, des formations. C'est riche en fait. Et quand on parle de bien-être, il n'y a rien au monde qui soit aussi beau en termes de forme, de couleur, de qualité. Donc, et c'est un événement à découvrir. C'est pourquoi c'est une bonne nouvelle. Et puis, beaucoup d'autres choses aussi, Eric. Voilà, le 6B, hein, le Congrès international sur le bien-être, c'est très bien nommé, on va le dire. L'autre question, c'est pour Linda Dedi. Quelles sont les innovations à découvrir pendant cette saison, Linda? Alors, pour cette édition, il faut le rappeler, c'est l'édition anniversaire du 6B. C'est la 5e édition. Et pour cela, le comité d'organisation a décidé de choisir un thème qui colle avec cette édition anniversaire, qui est bien sûr l'innovation dans le bien-être. Et parlant justement d'innovation, puisque c'est bien sûr le thème de cette édition, il y aura donc, j'ai envie de dire, comme on le dit très souvent au quartier, du jamais vu au Congrès international sur la beauté et le bien-être. En parlant par exemple du make-up, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ou presque les femmes sont des adeptes du make-up, mais sauf que cette fois-ci, au 6B, vous allez découvrir ce que nous appelons le make-up 3D, un make-up en trois dimensions, parce que oui, nous sommes à l'ère des nouvelles technologies et même au niveau du make-up, il y a bien sûr cette évolution-là. Vous voulez savoir ce que c'est? Faites-y un tour à partir du 8 mai prochain du côté du Castel Hall. Une autre innovation, c'est bien sûr l'esthétique médicale. On posera la question de savoir mais à quoi renvoie l'esthétique médicale quand on sait que l'esthétique, c'est très souvent cette technique qui a bien sûr pour objectif d'embellir le physique. Et très souvent, on se limite sur le physique quand on parle d'esthétique, alors qu'au 6B, au 6B autant pour moi, pour cette édition, vous aurez donc l'opportunité de découvrir ce que c'est que l'esthétique médicale. Parce que pour les personnes qui ne le savent pas encore aujourd'hui, quand on ne se sent pas bien de l'intérieur, il est clair qu'à l'extérieur, la peau ne sera pas resplendissante. On va afficher une mine pas du tout gaie. Alors que lorsque de l'intérieur, on est soigné, de l'intérieur, on a un suivi par des experts, il est fort probable que sur le plan de vue extérieur physique, on aura tout simplement la beauté escomptée. Et puis aussi en termes d'innovation, au 6B, pour cette édition anniversaire, les uns et les autres qui feront le déplacement tant sur un plan de vue exposant ou même encore visiteur, vous aurez l'opportunité d'avoir en votre compagnie des experts qui viendront sur place faire des démonstrations. Par exemple, comment se débarrasser des verrues aujourd'hui, parce que les verrues, c'est très souvent, c'est vrai, c'est nombreuses les excroissances de la peau, nombreuses, ça a toujours l'expression adéquate. Quand on parle d'excroissance, c'est très souvent ces peaux mortes qui apparaissent sous forme de boutons, ça
peut être trop sur le visage, parfois même sur le corps, une partie du corps. Et ce sont des boutons parfois qui sont pleins de sang et on ne sait pas comment s'en débarrasser. Alors au 6B, vous aurez des démonstrations séances tenantes. Très bien. Également à Manuela Damaris, on va savoir pourquoi venir au 6B. Oui, le 6B n'est pas un événement comme les autres. C'est cet événement-là qui permet à tous les jeunes entrepreneurs de pouvoir bénéficier d'une visibilité maximale pendant 6 jours avec une communication bien ciblée. Nous aurons également, nous disposons d'un salon de 2000 mètres carrés de surface d'exposition réservé pour toutes vos activités. Nous renforçons et pérennisons l'image de votre marque. Nous avons également des stands VIP climatisés pour tous ceux-là qui aimeraient se démarquer des autres et bénéficier d'un traitement particulier venant de la part de notre communauté d'organisation. Le 6B, c'est aussi cet événement-là qui regroupe tous les partisans du bien-être, de la cosmétique. Il contient aussi un programme riche en conférences, en ateliers pratiques. Nous aurons également des partenariats B2B de qualité. Nous aurons également des grandes enseignes qui viendront de l'extérieur pour signer des contrats avec les exposants. Et donc voilà, je dirais le bon endroit au bon moment. Au bon endroit, the place to be, comme on dit. Et puis à Linda, j'aimerais savoir comment on fait pour avoir un stand au 6B. Pour rappeler, c'est vrai que ça court rapidement, mais pour avoir un stand au 6B pour cette 5e édition, il suffit tout simplement de composer les différents numéros qui s'affichent actuellement au bas de l'écran. Et bien évidemment, vous aurez au bout de la ligne de magnifiques dames qui se feront donc un plaisir de vous donner tous les détails. Mais comme Damaris l'a dit tout à l'heure, le 6B édition 5, c'est tout simplement le bon moment au bon endroit. Voilà. Merci beaucoup à vous. Oui, Eric, s'il te plaît, quelques secondes. Oui. Il faut dire aussi au public, pour les exposants, les sociétés, les entreprises, c'est effectivement l'occasion de vous faire connaître parce qu'on a près de 10 000 invités et 10 000 visiteurs, je vous dis 10 000 visiteurs qui seront là au 6B. Et pour vous, très chers téléspectateurs, venez, l'entrée coûte seulement 500 francs. D'accord. 500 francs l'entrée. Et puis vous allez non seulement découvrir, mais aussi vous allez vous satisfaire psychologiquement avec des couleurs, des belles formes et beaucoup de choses que vous apprendrez. Merci Norberos. Voilà. Congrès international sur le bien-être a le plaisir de vous annoncer la célébration de son 5e anniversaire qui se déroulera du 8 au 13 mai 2018 au Castel Hall à Douala. J'arrive de Paris. Je ferai des conférences. Je vous donnerai des conseils. Bienestar corporal y belleza 6B es un evento a no perder. Je serai là et je vous invite. Le laboratoire Pierre Fabre Dermocosmétique sera présent cette édition encore avec plusieurs innovations à vous faire découvrir. Un événement à ne pas manquer. N'hésitez pas à réserver vos places dès à présent en appelant au numéro. Donc sur le plateau du Zénith, madame, monsieur, merci infiniment à vous de nous renouveler votre confiance sans cesse répétée et en perpétuelle croissance sur Equinox Télévision, la télévision qui au-delà de l'image vous rencontre avec évidemment l'option interaction de cette émission, vos différents messages, vos réactions avec vous, Florazé. Pourquoi incriminer le pénitencier, la faute à qui? On ne peut pas utiliser son véhicule pour escorter les détenus et aucun personnel ne peut non plus risquer sa vie. C'est Rodolphe de Puboya qui réagit. Le Cameroun ne mérite plus de participer aux compétitions internationales. De participer ou d'organiser? Bon, il dit qu'il participer. Parce qu'il faut bien nuancer. On a aussi parlé de l'équipe nationale. On élimine dès les tours préliminaires. Vous allez comment? Vous pouvez décider de ne pas y participer et faire un temps sabbatique pour vous. Je rappelle que la prochaine Coupe du Monde en Russie, le mois de juin prochain, le Cameroun n'y sera pas. Déjà pour le coup. Et nos clubs ici de Ligue 1 qui ont gagné la Coupe du Cameroun et le championnat ont été éliminés pour tours préliminaires. Oui, en Coupe de la CAF des compétitions africaines de clubs, que ce soit en Champions League ou en Coupe de la CAF. Donc c'est clair que c'est un réel problème pour nos compétitions. Nos boxeurs ne font pas mieux, ou l'ailleurs non plus. Donc
Florazé, on continue avec les messages. Oui, oui. Youssoufa Amaroua pense que la femme mariée doit rentrer chez, dans son foyer à partir de 18h. Elle doit rentrer chez elle. Mmh. Au plus tard à 18h. Oui. Voilà, j'ai connu. Bobo, et ça, c'est bon parce que la précision est tellement importante. Oui, et de... oui, c'est non, parce que vous savez. À 18h, la réunion finit. On peut lui accorder 45 oui. minutes de taxi ou de voilà, parce que notre métier demande de l'exactitude. Elle est fois dehors. Voilà, notre métier demande de l'exactitude, Bobo Bengane. Ouais. Et tout est dans les détails. Donc, merci. C'est important merci, de dire que monsieur. C'est. Voilà, c'est important de le dire. J'ai connu le Cameroun à travers 7 ans de procédure judiciaire. Je vous avoue qu'il faudrait avoir quelque chose là pour supporter ma santé à subir un sacré coup. C'est Medjo qui réagit. Mmh. Allez à la chambre sociale pour constater de vous-même la magie de la justice. Oui, et surtout que les procédures civiles au Cameroun, bon, déjà que les procédures civiles sont plus longues que les procédures pénales, mais au Cameroun, les procédures civiles mettent un temps interminable. Je vous assure, c'est lassant. Il y a Patrick qui réagit, qui dit il parie que pendant la CAN, on sera encore en chantier. Mmh. Voilà. Pourquoi lorsqu'un gestionnaire est dans le collimateur de la justice pour détournement, il s'accroche au pouvoir? C'est une question, on l'a vu avec pas mal de ministres en difficulté, on le voit encore aujourd'hui. Peut-il travailler encore sereinement dans certaines structures? Pourquoi on s'accroche au corbillard? Bien sûr, parce que donc, ce qu'il dit est important. On voit des DG d'entreprises qui sont sous le coup d'une interdiction de sortie du territoire et qui restent en fonction. On a vu en France Jérôme Cahuzac qui a tout de suite démissionné lorsque Mediapart a balancé l'information concernant un compte qu'il aurait en Suisse. Madame, monsieur, merci infiniment à vous de rester sur Rayon Télévision et d'être resté depuis 10 heures avec autant d'assiduité sur notre antenne. On va vous souhaiter une très belle journée sur notre antenne encore et surtout vous revenir demain avec toute la grande équipe. Que Dieu bénisse le Cameroun.